À tous, une vidéo sur la parabola du Linux libre. La parabola, c'est une arche Linux avec un noyau Linux libre. La dernière fois que j'en avais parlé, c'était en mai 2015, on est en mai 2016, et comme j'ai parlé récemment de la caricaturalement obsolète NewSense 4, j'ai voulu voir comment s'en tirer la parabola du Linux libre au mois de mai 2016. Donc j'ai récupéré la dernière ISO en date qui date de la mi-mars 2016, comme vous pouvez le voir. Et avant que vous me posiez des questions, non, je n'ai pas changé de distribution. J'ai juste mis le thème Blue Submarine pour me changer un peu les idées. Voilà. D'ailleurs, je vous prouve que j'ai toujours la Arch Linux avec un Maté 1.14. Compilé maison. Bref, trêve de bavardage. Comme d'habitude, tous les détails techniques dans le lien dans le descriptif. Et on est parti. Donc déjà, les goûts, les couleurs, bof, mais j'avoue que ce genre de merge de couleurs, ça ne me fait pas autre mesure. Donc, ça prend un noyau Linux libre, une version 4.5.2, la version 4.5.3 étant sortie hier, donc c'est normal qu'il y ait un petit délai. Donc, j'ai pris Maté, pour des raisons pratiques, mais aussi parce que c'est l'environnement préféré de la version live de la parabola, et on se connecte. Donc côté équipement, j'ai mis le truc classique, à savoir GIMP, LibreOffice. Pour rester dans le côté, c'est une distribution officiellement supportée par la FSF, j'ai installé GNU/S 4 au lieu de Debian Swizzle. Donc nous avons un Maté 1.12, hein, voilà, avec une parabola en dessous qui ne doit pas être super gourmande, même pas 230 mégas au démarrage, ça calme. Voilà, avec un noyau Linux libre 4.5.2, donc déjà elle est très très gourmande. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé GNU/S 4 par défaut, mais ce qui n'empêche pas aussi que j'ai pu installer pas mal de petits trucs. Donc voilà, GNU/S 4 se lance. Voilà, et lancé. Donc côté bureautique, bien sûr, j'ai mis LibreOffice. J'ai rajouté GIMP, Xsane. Outils système, on peut bien sûr la configuration de l'impression. J'ai rajouté HPLib, je me souviens, voilà, pour les. Donc j'ai repris mon tutoriel, comme je le précise dans l'article, pour faire l'installation. Là j'ai mis Quadlibet. Bon, je vais rajouter après le logiciel de vidéo. Donc on va aller sur le site de la parabola. On va agrandir un peu l'image. Et je veux t'agrandir, sale bête. Bon. Voilà, on va y arriver. C'est mieux comme ça, donc blablabla habituel. Et il y a une nouvelle mascotte maintenant. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà. Comment dire, le chat doit être légèrement sous amphétamine. Pas mieux que le GNU, mais bref. Comme je vous le disais, la version live de la parabola est basée sur Maté. Donc c'est pour ça que j'ai pris Maté. Voilà, si on va dans la. Voilà. Voilà à quoi ressemble la carte d'écran de la live officielle. Sympa les yeux. Voilà, j'ai récupéré ici. Par contre, ce que je trouve un peu bizarre, c'est dans les extensions, enfin les modules, les extensions, c'est qu'on nous propose un bloqueur pour la protection de la vie privée, mais il n'y a pas de bloqueur de pub. Il n'y a pas Privacy Badger. Peut-être une couleur de clocher. Il y a GNU Linux, enfin GNU Libre JS. Ouais, bon. Alors, c'est une version 38, je crois me souvenir, de S4. Voilà. Donc, je suppose que la version 45 sortira bientôt.
on va voir si le niveau du support technique et audio c'est du progrès. Donc le site habituel bien sûr. Alors s'il veut bien se charger, je suppose que il y a Spyblock qui doit faire les siennes. À moins que Bandcamp, ah, c'est bon, je crois que Bandcamp était en panne. Donc là, on va aller sur une page avec de la musique libre et voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait se lancer. Normalement. Je vais le désactiver parce que sinon, ça prend une éternité à charger, j'ai comme impression. Voilà, à ce coup, ça va mieux. Et j'ai comme l'impression que le site ne passera pas parce que la version va être trop vieille. À moins que ce soit le LibreJS qui mette sa mouise. Déjà LibreJS, merci. Voilà. Grâce au LibreJS, on ne peut pas lancer l'ensemble. Donc on va mettre tout sur liste blanche. Pour ce site. Merci LibreJS. C'est bien de protéger la vie privée, mais rendre le internet fonctionnel, c'est peut-être mieux. Voilà. Plus rapide. Donc on va recharger ensemble. Merci LibreJS. Bon, on va carrément le désactiver pour le moment parce que ça commence à m'énerver. Et d'accord, ça fait planter notre ami Firefox. Allez. Donc on va recommencer avec LibreJS, Icecat. Donc c'est bien, si on veut naviguer sur des sites à peu près récents, oui. Et si on veut utiliser GNU Icecat, oui. C'est la joie. Donc on va voir cette fois-ci s'il y a quelque chose qui s'affiche. Ah, une fois que LibreJS est désactivé, ça fonctionne. Comme c'est bizarre. Donc là, je vais le mettre un peu en avance. Tiens donc, il n'y a pas de son. À moins que je me sois gouré. Pardon, ça dit, mais il n'y a pas de son. Bon, bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Donc je vais voir sur YouTube. Cas, vouloir utiliser GNU Icecat, c'est pas la joie, même ça du progrès. Donc on va avoir une de mes vidéos en désactivant aussi le spy temporairement. On va prendre cette vidéo là pour voir si c'est du son. À moins que ce soit un problème au niveau de ma machine virtuelle. Je vais voir peut-être qu'il y a un problème au niveau, parce que j'ai pas configuré Alsa Mixer malheureusement, comme un idiot. Alors accessoires, attendez, maté. Et pourtant, le son est au maximum. Pas chercher à comprendre.
je vais voir avec. Donc, je vais temporairement désinstaller Vue.js 4. Le remplacer par IceWizard, peut-être que ça va mieux fonctionner. C'est quand même dommage parce que ça rend un peu le. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Donc on va voir maintenant si on peut aller sur, par exemple, la Framasphere, qui est quand même un réseau social libre, Diaspora. Donc normalement ça devrait le faire. Par contre là, je vais être bête et méchant, je vais réactiver toutes les options. Voilà, on va réactiver LibreJS. Par contre, ce qui est ennuyeux, c'est que dans les préférences, contenu. Enfin, c'est étrange que ce soit encore la même version. Tiens. Bon, on va se mettre déjà du français, ce sera mieux. Voilà, ajouter. Voilà, comme ça au moins on est sûr et certain qu'on aura l'ensemble qui se chargera en français. Bon, on va effacer maintenant. Framasphere.org. Donc, on va voir si ça. Sa gueule. C'est ça normalement, si je me souviens bien de mon mot de passe. C'est ça. Donc on va voir ce que ça donne. Ouf! Allez! Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur un réseau social libre. Voilà ce que ça donne. Merci IceCat. Merci Vue.js. Bon. On va virer IceCat. On va pas s'ennuyer. Hein. Et on va installer IceWizard. Peut-être que ça sera un peu plus fonctionnel. Donc à le faire, on va mettre en français. Donc vous voyez quand même, c'est dommage, c'est que si on veut utiliser, si on veut rester vraiment avec les outils de la Free Software Foundation, on a une expérience web qui est pourrave. C'est à avoir trop bien faire, on finit par mal faire. Ce qui est ennuyeux. Sinon, le reste est utilisable, comme vous pouvez le voir là. J'ai pas eu de problème pour installer GIMP, j'ai pas eu de problème pour installer toutes sortes d'outils, mais. Ah, mais je vais voir si nous installe VLC, tiens. On va voir. On va voir ce qu'on dit par rapport à VLC déjà, si c'est la version officielle, si c'est une version. Ah non, c'est une version officielle. Et est-ce qu'il y a MPV? On va mettre MPV, tiens, pour changer un peu. Là, on va lancer un navigateur internet qui doit être normalement plus fonctionnel que Vue.js 4. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme extension? Que dalle. Donc, on va juste. Ah, bien sûr, il y a la. Il y a juste les. Les extensions. Officialisé par la FSF, donc on va mettre un bloc.
Ah, bravo! Donc, on va chercher add. Bingo! Donc, déjà, on ne peut pas installer un bloc. Enfin, on va chercher du bloc. Mais ça m'étonnerait qu'il soit trouvé. Oui! Catalogue! Oui! Alors, bon, donc, automatiquement, comme ça dépend après cette fois Foundation, on n'a pas accès à des outils comme uBlock Origin par exemple. Dommage parce qu'un bloc plus bof quoi. Superbe, bon, c'est pas grave. Donc on va voir maintenant si ça passe mieux sur la Framasphère. C'est cool, déjà la présentation est meilleure. Par contre, c'est ennuyeux de ne pas pouvoir proposer. uBlock par exemple, parce que bloc n'est pas franchement dans l'ancienneté. Ah, de ce coup, ça fonctionne mieux. Étonnant comme ça fonctionne mieux. Donc, on va voir maintenant si je lance la vidéo. Peut-être j'aurai du son. Merci. Le blocage. Donc, on va voir si sur Pancamp ça fonctionne mieux. Au moins, s'il y a le son. C'est pas possible que c'est un mauvais réglage au niveau de. D'accord, là il y a un problème. Il doit manquer un paquet. Est-ce que ça serait FFmpeg? Parce que je crois me souvenir qu'FFmpeg est désormais utilisé par Firefox, donc c'est dérivé. Avant ça, FFmpeg 2.8. On va essayer ça. Pour lire tout ce qui est audio HTML. Donc, mais désolé pour les aléas du direct. Donc, on va retourner sur. Voilà. Cette page, normalement, ça fonctionne cette fois-ci. Non, c'est pas ça. C'est un bug, je ne sais pas où. C'est un bug, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Là, c'est la question à 100 balles, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, vous avez vu quand même, c'est plus utilisable qu'il y a un an, mais il y a toujours des limites. Ah, avant de partir, je voulais vous montrer justement pourquoi j'ai utilisé Mate aussi. Parce qu'il y a un paquet qui s'appelle Your Privacy sur la Parabola. Et si on regarde la liste des paquets qui sont blacklistés, c'est quand même assez gnome-centrique. Voilà la liste des paquets qui sont bloqués. Donc on peut voir Gnome Clocks, Documents, Gnome Maps, Miner, Gnome Photo, Google Gadget Command, GBFS, Guibber, je ne sais même pas qu'il existait encore, LibMSN. Oui, il y a quand même un sacré paquet qui sont liés à Gnome. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Désolé pour les petits problèmes techniques que j'ai eus, mais ça arrive. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye!